Yo! Bon, apparemment, mon chat est de nouveau tout pété. C'est donc tout pas bien. C'est terrible. C'est terrible. Bon, du coup, ce soir, on se stuff sur Final Fantasy XIV. Une activité très peu intéressante. On va mettre le jeu. Oh, le jeu n'apprécie pas trop le... Ah ouais, non, il apprécie pas du tout le stream. Hein. Mais genre, il apprécie... je vais peut-être devoir relancer le stream en plus basse qualité. Ah, déjà le son. Parce que je ne peux pas relancer le jeu. Ça, c'est hors de question.
Parce que là, apparemment, il y a 2000 personnes dans la file d'attente pour se connecter. Ah oui, non, mais là, ça va pas être possible, par contre. Ah oui, non, 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 non. Non, là, ça ne va pas être possible du tout, hein. Pas comme ça. Ah! Qu'est-ce que c'est dans mes options? Mon output, non, mes vidéos. Ha! Le problème, c'est que je suis. Non, non, je suis en 720p. Est-ce que. Le stream. Serveur. Non, mais je veux le. Oui, l'encodage. Oui, pourtant, c'est du NVNC. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ah. Je suis pas super content. Je suis pas super super content. Bon, tant pis, on va faire avec. J'ai envie de dire. Donc, alors, je joue. On va vite fait. Alors déjà, on va paf, leave ça. Parce que je vais tag tout seul. Ouais, après, c'est vrai que. C'est vrai qu'avec la chaleur, c'est assez moyen. Bon, déjà, je vais refresh ça. Ça m'emmerde, cette histoire de chat qui est tout cassé. Mais genre, vraiment, en vrai, c'est pas bien. Du coup, je vais devoir refresh la page assez souvent. Alors, au programme. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la roulette expert à faire, la duty roulette leveling. On va devoir la faire aussi parce que les 100 Tombstone of Goetia et les Plink Cluster. Qui me permettent d'avoir des matérias CPT. La roulette Trials, on se fait chier. Même scénario, pareil. Certaines. Ah non, non, certainement pas, jamais de la vie. Normal Raid. Alors, c'est 60 Goetia Tombstone. Donc, en soi, c'est jouable, mais bof. On va être honnête. On va être honnête, c'est très très bof. Ma foi, on peut commencer avec une roulette leveling. Adventurer in Need, le bonus il est toujours bien accordé au healer. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti, on commence. Voilà, on commence très tranquillement. Donc voilà, je vais essayer à chaque boss de faire un refresh du chat. En espérant que ça ne merde pas. Non. 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 Passe donjon. Alors, la grande bibliothèque de Goubel, qui est un donjon, ma foi, fort sympathique, mais extrêmement désagréable à faire en piop, pour être honnête. Donc, je suis mage blanc, donc je ne soigne pas. Ça, c'est la. Je tank, par contre. Ah, je suis accompagné d'un Gunbreaker. Je suis accompagné d'un Gunbreaker en tank et d'un Dancer en DPS, les deux nouvelles classes de l'extension. Deux classes qui, paraît-il, sont extrêmement fun à jouer. Ah ouais, c'est. Oh, les donjons experts, ça va pas être bien. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas. Comme je peux rien. Pas, je peux pas vraiment toucher grand-chose au niveau du stream en lui-même. Oh, je suis obligé de changer au niveau du jeu. Mais là, le jeu, j'ai pas vraiment envie de le relancer. Parce que sinon, on va faire un stream file d'attente. Pour jouer à FF14.
moyen. Donc il faudra composer avec les petits frame drop. Ah, il prend plusieurs packs. Mais bon, il n'y a qu'un seul pack à prendre ici, je crois, Coco. Hein. Je vais essayer également, alors je vais également essayer de vous montrer, mais ça ce sera plutôt si genre on me genre si on me le propose. Typiquement si on me le propose je vais si on me le propose j'irai faire les trials. La petite musique quand même très très chill dans ce donjon. J'aime beaucoup l'ambiance hein, du donjon. C'est juste que il y a des mécaniques qui font que ça peut très vite très mal se passer. Après bon, je préfère encore tomber sur ça que plutôt que sur par exemple du Sastasha, du Totora, Korumvel, ce genre de donjon un petit peu plus bas niveau. Alors bon, Sastasha, Totora, c'est juste qu'on s'emmerde, hein. Très très clairement. Et les deux autres, eh bien... Et Korumvel, c'est... Ah, et je prends les dégâts. Alors ici ce donjon très très simple. Ah oui, par contre voilà, hop, bien pensé. Voilà, pas comme lui là, pas comme notre pote le Dancer. Alors le Dancer qui est un DPS extrêmement mobile. De ce que j'ai entendu, c'est oh oh. C'est ah les gars. Bon, ça. Et ça commence. Ah, le World of Winter. Alors, ça va être drôle parce que le seul, il va être. Voilà, tout gelé. La caster un petit médica. Voilà. Petit Medica 2. Ah oui, après ça. Ça je vous montrerai plutôt hors donjon pour essayer un peu de vous présenter les sorts que j'ai en mage blanc. Si jamais vous ne connaissez pas, bah, soit la classe, soit le jeu, évidemment. Quels sont les outils que j'ai pour insulter mes potes quand ils meurent. Parce que c'est définitivement pas de ma faute. Mais globalement des trois healers, le mage blanc, c'est celui qui fait le gros heal. C'est il a très peu de moyens de soutenir ses alliés d'autre manière. J'ai un petit bouclier qui est certes pas trop dégueulasse. Mais ça s'arrête un peu là. Moi mon job c'est vraiment le... Le boss est mort, parfait. Mon job ça reste vraiment de faire le gros soin. C'est le plus important. C'est le plus important alors que... Quoi? Misery. Ah, damage taken is increased. Ah oui, je confirme. Voilà, et avant l'extension, ils faisaient aussi pas mal de dégâts, de mage blanc. Mais ils ont un petit peu, réduit le potentiel de dégâts des healers. Pour que, en tout cas, sur le contenu de un peu plus haut niveau, le soin reste la priorité.
Et pour être honnête, hein, c'est pas plus mal. Aïe, 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 ça fait mal ça. C'est à vrai dire, c'est pas plus mal. C'est une philosophie que moi je préfère. Mais là, j'ai pu expérimenter ça sur les deux trials de fin du scénario. Ouais, y a de l'huile à faire. Hein. En tout cas, par rapport à l'extension d'avant, c'est assez énervé. Ah oui, d'ailleurs, oui, alors attendez, il y a un truc que je vais pas montrer. C'est vrai que je suis niveau 60, j'ai accès au meilleur. J'ai accès à un de mes sorts préférés. Qui est ici Afflatus Solace en fait. C'est l'équivalent en soin d'un cure-deux. Qui a l'avantage d'être instantané. Mais qui me coûte ici une de mes petites fleurs. Et j'en génère une toutes les 30 secondes en combat. Très important, faut préciser, c'est toutes les 30 secondes en combat, bien sûr. Yes. Pain, pain, pain. Ah, la page numéro 160. Ah, c'est Biblos. C'est le pote Biblos. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bon là, alors là c'est la charge. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, mon putain. Donc ouais, l'hélice après niveau 60, j'ai pas vraiment accès aux mécaniques cool. Ah ouais, voilà, tuer les pages 64. Voilà, hop, on va me lancer un Medica 2. Alors, le Medica 2, c'est un soin de zone qui a le bon goût de lâcher derrière un petit soin sur la durée. Ah, par contre, ça. C'est une. C'est. Ça coûte quand même une purge en mana. Évidemment, ça sert à rien de le spammer. Là, le petit sort que je viens d'envoyer, c'est Assize. Qui est pour moi qui est un des sorts les plus puissants de la classe pour une raison toute simple en fait, c'est que c'est un soin instantané qui n'est pas dans le GCD. Donc du moment que je suis pas en train de le caster, il y a pas de problème, le sort il part. Il fait pas mal de dégâts. Fait pas mal de heal, il me rend du mana. Oh, et l'invocateur est en train de prendre assez cher. Mais voilà, pour comparer, donc la puissance de Size, voilà, c'est 400 de puissance de soin. Et si je prends par exemple mon. Oh, oui, non, mais j'ai pas besoin d'aller très loin pour le tanker ça. Paf! Ça fait mal là. Voilà, mon médica, ce n'est que 300. Donc ça va. Donc le sort est puissant. Par contre, évidemment, il a un CD de 45 secondes parce que faut pas déconner. C'est assez important. Je vais refresh la page. Alors, et je suis vraiment désolé si. Si, vous me parlez, que je ne vous réponds pas. C'est vraiment juste que j'ai des problèmes de chat sur Twitch en ce moment. C'est infernal. Et je sais pas d'où vient le problème.
Donc c'est pas fifou quoi, c'est de streamer dans ces conditions-là. Ah, alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que... Ok. Ok, apparemment, ok, donc apparemment le problème viendrait juste de Firefox. Mais ça me paraît vraiment bizarre. Et là, j'ai refresh le cache et tout ce qui bouge, donc... Donc bien évidemment, on ne reparlera pas de stuff hein, sur ce donjon, fatalement. On n'est pas là pour ça. Là, on vient juste récupérer les matérias qui sont genre très importantes pour l'optimisation du stuff. Alors les matérias, c'est ouais, on peut. Je vais me prendre l'attaque de regard. Les matérias, en fait, c'est des items qu'on met dans les petits slots dans notre stuff. Et c'est un peu l'équivalent des gemmes de Warcraft, en fait. De WoW, c'est un peu l'équivalent des gemmes. À la différence près que les matérias. Alors, il y a un système d'équilibre de stats. On ne peut pas. Enfin, il y a des limites sur ce qu'on peut mettre en stats dans certaines pièces. Et je tank. Et je tank plus. Et je retank. Ok, it's good. Bon, ok, la bonne nouvelle, c'est que. Apparemment, mon chat pop out. Hein. Sur le Chrome déconnecté à l'heure de fonctionner. Bon bah j'ai bien fait de lancer les deux. Je m'en fous de la cinématique. J'aime pas ce boss. En fait ça peut aller très vite comme ça peut prendre des plombes. Ok, alors j'espère que le temps va pas avoir l'idée de poule. Putain! Non! J'ai fait ça! J'ai laissé... Alors ça c'est pas bien ça. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est quand on passe trop près de ces... Ok, on devrait s'en sortir. Allez. Ah bordel. Ok bon. Ok. Le tank est parti. J'ai pas. Je pensais que le tank allait partir à. Oh Deep Darkness, bonjour. Oui, non, alors ça certainement pas. Sur les gros effets. Je vais diminuer les effets, je pense, après du jeu. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est sur les. Ah, dis-moi, je t'en supplie, que les. Ça va pas être là, les. La troisième phase. Oui, les potes. Vite, vite. Perdu!
Et alors là, ça paraît très con, mais ça peut très vite mal se passer. Voilà, parce que l'ad, il est ultra vénère. Alors là, j'aurais bien envie de dire que le tank fasse une LB, vite. Alors, la LB du tank, tout simplement, pour avoir la réduction de dégâts et que l'ad ne fasse pas trop chier. Ok, ça passe. A snake in the brass. Qu'est-ce que c'est que cet achievement? Ah oui, tant que je suis dans le donjon, on va... Salaud. Je voulais faire une, du JPOS avec du healer. Système configuration, vidéo, display. Non, pas display. Sound, général, graphique, oui. Tessellation. Ah, j'ai mis la tessellation. La tessellation, on va la mettre en normal. On va couper les ombres des party members et des autres NPC. Non, non, juste des party members en fait, en donjon. Voilà, use low detail, modeling shadow, oui. Roll please. Ah, excusez. Voilà, page 63, je m'en fous, voilà. Water Reflection. Alors, moi, ce que je veux, c'est... je crois que c'est le glare. Non, le glare, il est déjà off. Point. Bon, on va voir si ça sert à quelque chose d'avoir fait ça déjà. Allez, retour à la capitale. Retour à la capitale. Bon, juste hein, par acquis de compétences, on va... En plus de ça, ma connexion sera à moitié en rad. Yes, yes, tout va bien se passer. Tout ne peut que très bien se passer. Alors, Tombstone Exchange. Alors, ça c'est un peu... là, c'est la zone où on peut dépenser nos tokens qu'on gagne en donjon. Et bah comme vous pouvez le voir, il me manque 10 et j'aimerais bien me prendre l'arme pour commencer. Alors dans les pièces, que je devrais prendre en priorité, bien évidemment l'arme, dit Kane, la Ronkan Kane, bien sûr. Oh, la musique est beaucoup trop vénère tout d'un coup. Ensuite, torse, jambe. Tout simplement parce que c'est là où il y a le plus de stats, c'est le plus intéressant à prendre. Je vais pas aimer cette ville. En fait, cette ville, la zone ici, c'est un petit peu le hub endgame. C'est donc là, voilà, ici, je peux acheter mes matérias avec les clusters qu'on a été chercher, hein, les deux fameux... roulette leveling, adventurer in need tank. Donc voilà les clusters. Alors ça c'est parce que j'ai le bonus d'aventurier demandé pour faire mes roulettes. Bon, après on va aller faire la roulette expert. Alors la roulette expert c'est un choix de 3 donjons. Non pas seul, ça c'est les trials. Dungeon Shadowbringer c'est Amoroth, The Training et l'Academia Anidor. C'est les 3 donjons niveau 80. Qui loot notamment des accessoires niveau 430. Donc en fait, qui loot en fait qui drop je pense donc sauf la of N qui en fait qui drop tout ce qui est le côté droit, tous les accessoires et la ceinture que j'ai déjà. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on va changer de glamour, j'en ai un peu marre de la robe là. Je suis le Warrior of Darkness. Non, ça c'est quoi?
Alors on a ça. Ça c'est... Ça c'est un autre set. Ça c'est encore un autre set. Ça c'est pour quand je joue Super 8 Giga. Mais où est mon glamour? Voilà. Mon glamour tout de noir vêtu. Avec des teintures. En fait. C'est de base le stuff il est un peu blanc bleu. Cuir. Je l'ai passé en noir charbon que je préfère. Donc ouais ici on est un peu dans le hub endgame. Alors évidemment il n'y a pas de tableau des ventes. Donc quand je veux faire des achats c'est chiant. Par contre j'ai de l'argent à récupérer parce que je crois que j'ai vendu des trucs. Ouais ma petite clochette. La petite clochette elle est là. Donc je vais paf. Comment ça zéro heals Voilà, voilà, ça, c'est ça qu'on veut. De l'argent. De l'argent. J'ai vendu en fait toutes les matérias dont je n'avais pas besoin. Et en plus, je me suis gouré tout à l'heure, j'en ai acheté 15 et pas les bonnes. Je tire un petit peu la gueule, on va pas se mentir. J'ai un petit peu la gueule, on va pas se mentir, ça m'emmerde un peu. Mais bon, je suis un sac, je suis un sac. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, on va partir en roulette expert. Alors, ils en sont où là dans les niveaux de ma guilde? Ah, l'autre mage blanc. Un autre mage blanc est passé niveau 80 aussi. Le tank, yes, je veux. Donc là, trois donjons, il faut faire son choix. Ce qui est bien, c'est que les trois jouent plus ou moins la même chose. Et ça, c'est cool. Ah, oh, j'aime pas ce donjon. En fait, j'aime pas les boss de ce donjon. Par contre, la musique est plutôt cool. Donc là, donjon niveau 80. Alors, ben là, c'est bien, je vais avoir accès à tout mon kit, notamment à un sort très fort qui est Temperance. Pam-padam. Ah oui, c'est vrai que ça peut être chiant un peu. Tiens. Quand j'y pense, c'est vrai que la musique se... Ah, dès que j'ai le tab, la musique se coupe. Et j'ai tendance à beaucoup alt-tab en donjon quand je dois faire des trucs. Ah. Bon, bah voilà. Donc, hein, job de mage blanc. L'invocateur n'est pas là. Ah, j'ai donc, je suis donc accompagné d'un paladin et d'un dragoon. Alors, le donjon là, je le connais pas trop bien. Je sais juste que je l'aime pas, on va poser ça parce que ça fait que mes autres sorts soignent plus. Donc c'est cool. Et ouais, alors les gars, vous allez me laisser tranquille. Et oui, là comme je suis niveau max, j'ai accès à la deuxième partie de ma mécanique de jauge de classe. Donc voilà, là on voit, je charge mes petites lilies. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de la consommer. Parce que le tank ne prend pas de dégâts. Mais c'est pas bien ce qui se passe là. Alors ne... Alors ça c'est un vieux réflexe de WoW, c'est de caler mes régènes entre les packs. C'est le truc à jamais faire dans le FF14 et je le fais tout le temps quoi. Je m'énerve. Là ça c'est vraiment un des trucs qui C'est un des trucs où je m'énerve un peu moi-même. Voilà, il faut attendre bien que le tank il pull le pack. Ah là là.
Alors là, j'ai pas l'occasion vraiment de vous aimer. Ah ben ça, voilà, hop, j'ai claqué une lise. Là, on peut voir, là, j'ai un petit. J'ai une petite pousse rouge qui est apparue. Oh! Voilà, et quand je l'ai. Quand elle a complètement éclos, donc après avoir utilisé 3 bleus. J'ai accès à un sort en AoE qui est assez cool. Hop là! Donc ce sort c'est Afflatus Misery. Donc qui est une AoE à 900 de puissance. Instantanée. Par contre il y a un damage fall off en fonction du nombre de cibles. C'est 900 la première, ensuite c'est moins 10%, moins 10%, moins 10%, moins 10%, jusqu'à un minimum de, je crois, 450 de puissance. Faudrait que je relise le cultip. Voilà, bonjour. Donc dans les autres outils un peu cool que j'ai, voilà, hop, j'ai mon petit shield là, qu'on voit là en jaune. Et j'ai... Attendez, hop, on va faire ça. Alors ça, c'est mon CD de 3 minutes que je viens de claquer pour sauver le tank. Enfin, pour le sauver, non, pour être sûr qu'il ne meure pas. Il n'était pas spécialement en danger, je pense. Par contre, tu prends cher, monsieur. Tu prends très cher, monsieur. Quoi? Mais il fait des gros cleaves, en fait, ce... Non. J'ai complètement brain fart. Ça n'aurait. Ça, jamais de la vie, ça devait arriver. Voilà, hop, je refresh le chat. Toujours au cas où. Donc, voilà. Si quelqu'un a parlé que je l'ai pas vu, je suis désolé. Il a pull le boss, parfait. Alors, ce boss-là, je ne l'aime pas. C'est un peu mon match-up. Comme vous pouvez voir, là, il y a des petits. Des petits problèmes. Alors là, j'ai accès à mon AoE, mais je ne vais pas la claquer très volontairement. Ok. 2, 3. En fait, là, il met des. Là, il va balancer des gros coups de. Il met des gros coups de machette. Il met, voilà, des AO un peu relous. Et le problème, c'est que si n'importe quoi touche les petits. Les petits incubateurs en verre, et eh ben ça va libérer les crasses qu'il y a dedans. Et j'ai pas envie parce que c'est des adds assez vénères et assez relous. Première fois tout à l'heure, j'ai fait le donjon. Il y a un moment, la haut verte, je l'ai mis dans les 4. Là sur la droite, ça libérait les 4 mobs. Les relations entre moi et le reste du groupe se sont très vite. Il est mort? Non, ça va. C'est pas une haut qui fait trop de dégâts. Alors par contre, s'il te plaît. Décide-toi à un moment où est-ce que tu veux t'arrêter, monsieur. Pa 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 point 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 point. Paf, paf, paf et paf, le dernier. Ça c'est le cri, ça c'est encore une AO un peu chiante, je crois. Oui. Et yo, Ministef! J'aime pas ce qui se passe là. J'ai encore mes ailes, j'ai encore mes ailes.
Ouais, alors c'est 35 euros. Déjà, enfin franchement, ça va, c'est raisonnable. Enfin franchement, c'est raisonnable 35 euros. Blizzard, ils les font à 50-55 balles leurs extensions à la sortie. Et surtout, en fait, le pack contient toutes les autres extensions. Il faut juste avoir au moins le jeu de base. Donc ça va, je trouve ça très raisonnable. Ah oui, pas quand on est pauvre, ça c'est un autre problème. Hein. Ça, je l'admets, c'est un autre problème. Bon. Hop, on va claquer. Ouh, les petites fleurs. Est-ce que je suis dans cet AOE? J'espère que pas. Ça, ok, it's good. Bah, après, ils sont là pour faire du business. Je trouve que, enfin, en vrai, le pricing, l'abonnement, il est à... Tu peux l'avoir à 11 euros l'abonnement. Moi, enfin, moi, je paye pas l'abonnement complet. Moi, je paye l'abonnement le petit. Je paye le petit à 11 euros au lieu de 13. Puis l'air de rien, comme ça, juste 2 euros moins cher, ça, on dirait pas comme ça, mais à la fin d'une année, ça te fait 2 mois en plus, quoi. Tu mets bout à bout, à la fin du mois, tu t'es pris, t'as économisé 2 mois d'abonnement, quoi. C'est pas, c'est quand même pas dégueulasse. Non, j'ai de nouveau claqué. Et quand je l'ai fait tout à l'heure, je le savais qu'il faut pas que je le claque ici, mon instant de spell, hein. Ah! Ah oui, alors non. Mon tank va mourir. Mon tank va mourir. Mon tank ne va pas mourir. Salut Maryse. Oui, je suis déjà niveau 80, en effet. Alors, en vrai, je n'ai pas... Alors, ça va paraître très dingue. En vrai, je n'ai pas rush plus que ça. En vrai, j'ai bien profité, j'ai bien regardé toute l'histoire, toutes les cutscenes. C'est juste que j'ai joué beaucoup. J'ai pris mon temps, mais en jouant beaucoup en fait. C'est assez bizarre. Bah, ma foi, ça va plutôt bien. Ouais, excusez-moi, là, quand je suis en combat, je fais pas trop attention à vous. J'ai déjà les boucles d'oreilles, fudge. Hein. Je fais pas trop attention, j'essaye surtout de ne pas mourir, je ne sais plus ce que fait ce boss du tout. Donc, dans le doute, on espère qu'il fait pas trop mal. Thunderbeam. Wait. Je me souviens plus de ce qu'il fait. J'ai juste fait une fois le donjon là. Ouais, là c'est du mage blanc. Ah oui, juste. Voilà, il faut se mettre bien proprement pour pas se prendre toutes les AOE. Alors vous allez voir, ça devient très vite très funky par contre. Là au début, là c'était juste le. Là c'était juste l'apéro. Hein. Ah bonjour! La barre de mana en fait maintenant toutes les classes sont à 10 000 de mana. Avec des coûts en mana qui sont fixes du niveau 1 au niveau 80. En fait voilà, c'est on paye en pourcentage de mana. C'est-à-dire qu'on ne paye plus en points de mana, on paye en pourcentage en vrai. En gros c'est ça. On paye un certain pourcentage de notre barre de mana max et ils vont équilibrer là-dessus. Après, en mage blanc, franchement, ça va. Non, 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 restez pas là. Non!
Et par contre, ils ont changé. Mais ça, tu l'as pas encore débloqué, les Lilies. Puis surtout que c'est pas un truc qui impacte beaucoup sur quand on joue tout seul, c'est un truc qui impacte vraiment quand on joue en groupe. C'est oui, bonjour. Ah, le retour des boules magiques. Oui, ah, allô. Wouhou! Mais ouais, là, c'est cool. Bon, du coup, je vais essayer de spoiler au minimum ce qui se passe dans l'histoire de Shadowbringer. Donc là, on va juste faire. On va probablement enchaîner des donjons. Je vais peut-être essayer d'enchaîner les deux derniers trials. Ah, parce que j'aime, c'est des fêtes que j'aime beaucoup. Avance un petit peu, s'il te plaît, monsieur. Merci. Pa 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 la la. Mes loots. Alors, ça c'est pour Dancer, ça c'est pour Caster. Donc, pas pour moi. Hop, refresh de la page pour être sûr que le chat ne merde pas. Le temps qu'il y a poule alors que j'étais pas là, c'est un génie. Ah, ça permet de mieux se rendre compte des dépenses. Alors oui, mais ça veut dire qu'en fait, avant on avait une stat qui permettait d'augmenter notre mana. Et maintenant, en fait, elle augmente la régène. Et je suis sûr que des classes genre un mage noir auraient préféré. Alors, j'ai pas trop joué à Stormblood, hein, donc je pense qu'un mage noir par exemple aurait préféré avoir du mana max plutôt que de la régène mana en fait. Alors, pense bien. Maryse, alors, pense bien à un truc. Ce sort, donc, alors, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais Lucid Dreaming, qui est dans tes actions de rôle, je crois. Yes, qui est une action de rôle. Pense bien à le claquer tout le temps. Pense bien, en fait, à la limite, c'est même pas grave de le caler genre au pool. Ça régène, je crois que ça régène 20% de ton mana max à chaque fois, c'est vraiment très fort. Et le sort, il a 1 minute de CD, donc. Ne pense à ne pas trop overheal. Oh. Et surtout, alors aussi, un truc, il faut que tu regardes, faut bien que tu regardes que tu aies du stuff de healer. Si tu as fait plusieurs classes, que tu jouais genre après, tu jouais caster et puis que t'as switch sur l'heure et que tu gardes le même stuff, il te laisse le prendre, mais c'est pas les bonnes stats non plus, donc c'est. Est-ce que je claque? Oui! Le pouvoir des fleurs! Alors là, je vais claquer mes ailes. Alors mes ailes, c'est un sort qui augmente mes soins de 20% et réduit le dégât subi par les cibles autour de moi de 10%. C'est très très fort comme CD, je trouve. Ah non non non, ça depuis la 5.0 ça a changé parce qu'il ne baisse même plus l'immunité des ça, maintenant ça ne baisse même plus l'aggro de tes heals. En plus ça ne baisse pas ton aggro sur un au moment T, ça baisse l'aggro que tu génères quand tu soignes.
Mais maintenant, ça ne fait même plus ça. Maintenant, c'est juste de la régène mana. Ah oui, d'accord. Ce tank n'a pas le ton. J'aime beaucoup ce boss. Il est très très simple. Alors ce boss, il est gratuit, il est pas intéressant, mais j'aime beaucoup son design. Mais et pense à utiliser. Alors ah mais tu n'as pas encore, c'est un sort niveau 58. C'est un sort qui fait que t'as une capacité qui fait que tes sorts ne te coûtent plus de mana. Très pratique. Wow! Notre poteau le dragoon n'est pas très frais. Ah! Gravity. Red canon, c'est un tank buster. Ouh! Defensive array, dans quel sens? Comme ça? Ah oui, alors là, par contre, là, il va commencer à mêler les mécaniques. Ah, peut-être pas tout de suite. Alors, je check bien qu'il n'en est pas un derrière le boss, parce que c'est pas clair. Ah oui, voilà, ok. Donc là, on a une petite AO sur la gueule. 2, 1, allez, bingo. Bon, là, hop, on va le claquer directement. J'aurai jamais de meilleur moment pour le claquer. Oh bonjour, là-haut, ça fait mal. Majesté Crosseray, oui, alors oui, on va s'éloigner. Ah oui, alors là, il va mettre la croix, je crois, au centre. Il va mettre les AOE à l'extérieur. Ça va être funky. Voilà, hop, paf, ça, plus les gravity. J'ai claqué 3 lilies pour ça, ça valait pas le coup du tout. Le shield qui part trop tard. Le tank qui a 2 vulnérabilités, ça va faire mal. Defensive Ray, oh oh. Oui, bonjour. Ah, oui, dans les coins. En vrai, si tu n'as pas besoin de spam soin, si t'as pas besoin de soigner, il faut pas overheal pour avoir le soin gratos. C'est pas intéressant du tout. Ah oui, mais alors là j'ai un problème, c'est que... Oh! Je vais claquer mes ailes. Oh oui. Enfin, franchement, si tu n'as pas besoin de soigner, il faut pas spammer. Il faut pas spammer cure 1 en vrai. D'ailleurs, t'es niveau combien là? Oh oh. Waouh! Ah, vroom vroom, dit la voiture. Yes. Ok, bah... à tout de suite. Alors, mes loot... Mais elles ont drop 2 fois! Putain, elles ont drop 2 fois, c'est Ok, bon. Je suis l'euro propriétaire d'une ceinture qui ne m'intéresse pas. Youpi! Ah, on va pouvoir aller acheter une arme! On va aller, on va pouvoir se procurer une nouvelle arme.
Dawn of Magic, Disciple of Magic, je veux l'arme, je veux la cane. This is a cane. Alors, on va l'équiper tout de suite d'ailleurs. Elle ressemble à quoi? Mouais, bof. Bof, bof, bof. Alors, la roulette expert. Alors maintenant, voilà, là, la roulette expert, ça sert plus à rien de juste la faire. On l'a déjà faite. On va clear the selection. On va aller faire les donjons manuellement. Du coup, je suis à 429 D-level. 429 E-level. Oh, attendez, attendez voir. Je dois faire, j'ai oublié de faire un truc assez important. C'est de récupérer mes matérias. Voilà. Et ensuite, on va aller voir notre pote, le Materia Melder. Alors, pour mettre les gemmes, on peut pas le. Enfin, je ne suis pas crafter, donc je peux pas le faire moi-même. Du coup, je dois mettre. Mais. Je dois payer un PNJ pour qu'il le fasse. À 1400 la materia, ça fait mal. Je peux pas, je peux mettre une 5. Je peux mettre une 5. Quoi? Ah oui, d'accord, ok. Ah non, est-ce que c'est parce que. Ah, c'est parce que voilà, oui, je peux pas mettre de matériel critique sur celui-là. Bah, je vais mettre une matériel de piété niveau 5. Voilà. Pa, 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 pa. Bon, et eh bien ma foi, on va aller tag. Alors on va pas tag sur la roulette, ça n'a aucun intérêt. On pourrait retomber sur le même donjon. On va tag sur les deux qu'on a pas déjà fait ce soir. Beaucoup plus intéressant. D'abord, on va se rouler une cigarette, par contre. Avant de partir. Pa, 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 pa. Oui. Donc là, niveau contenu. Alors là, niveau contenu, pour le moment, enfin, il y a malheureusement pas grand-chose. Ouais, c'est là pour les. Deux prochaines semaines, ça va être un petit peu pauvre. Parce que là, actuellement, c'est-à-dire qu'il y a. Actuellement. Bah alors, attendez, je vais vous montrer. On va aller parler à Jean-Michel Token. Pour le moment, en contenu haut niveau, il y a juste Innocence et Titania en extrême. Et sinon, les donjons, et donc là, c'est un peu le moment de ce stuff. Allez, on va queue. Academia Anidor. J'aime beaucoup ce donjon. On tue des poissons. Ah, Remarise. Light party. Là, alors moi, oui, voilà. Ah oui, alors avec cette ambiance, avec cette musique genre radio qui déconne, c'est génial.
Dis-moi quoi. Après, oui, enfin, si t'as des questions, je peux y répondre, mais je peux pas. Enfin, c'est-à-dire, pour ça, je suis un très mauvais professeur, je peux pas t'apprendre à jouer les choses. Enfin, si tu me poses une question, je peux y répondre, mais là, de tête, comme ça. Botta et couture. Alors, Botta, c'est très très bien au début. Couture, je connais pas. Moi, j'ai. Moi, en métier, j'ai juste Botta et cuisine. À la limite, ça, je pense que Younkel serait plus à même de bien t'orienter. Il connaît le jeu mieux que moi. Moi, on m'a conseillé, en fait. Moi, le pote avec qui je joue à FF14, je tank. Je tank. Ouais, je tank. Le pote qui m'a fait jouer à FF14, il m'a conseillé cuisine botaniste. Parce que, en fait, avec les compos de botaniste, juste avec des compos de botaniste, en fait, tu peux monter la cuisine. Sans avoir trop besoin d'aller chercher à gauche, à droite, d'autres compos à farmer ou quoi d'autre. Donc, moi, on m'a conseillé ça. Après, je pourrais pas vraiment te dire. Tout dépend aussi de ce que tu recherches dans le jeu, j'ai envie de dire, c'est pas. Ah, mais il continue de cracher sa merde après? Oh. Et il faut alors il faut pas que tu. Alors dans l'idée il faut pas que tu montes l'un puis l'autre. C'est il faut que tu montes un peu les deux en même temps. Ça paraît très stupide dit comme ça, mais il faut essayer de monter les deux à peu près en même temps à genre 5 niveaux l'un et puis avec les compos de l'un. En fait, ouais. Le plus efficace c'est de regarder par exemple en cuisine un craft à faire que tu vas enchaîner. Et ensuite aller les récolter en botaniste. Ah tiens, on en a. Ah oui tiens, c'est drôle. Le chat Firefox a planté. Mais le chat sur Chrome survit, hein. J'ai pas encore refresh le chat sur Chrome et lui il survit. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas c'est quoi le problème avec Firefox, ça doit être un. Je sais pas d'où vient le problème. Pour le coup, c'est assez bizarre. Mais bon. Whatever. Twitch me censure. Ok, non, il se roule. Ouh, je lag. J'ai l'impression de laguer, c'est pas cool. Paf, je vais. Hop, on va refresh ça. C'est quoi encore ce boss? Ah oui, c'est Rockerman. Rockerman, c'est un. Il est cool, Rockerman.
Ah, et il y a son pote Requin Rougemen qui est là. Très 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 drôle. Oh. Voilà, hop là, il faut faire gaffe parce que Requinman en a marre de se baigner. Paf, il sort de la piscine. Et pareil, Requin Rougemen est parti faire trompette. Très très cool ce boss, je trouve. Donc globalement, le bleu fait des dégâts mono-cible. Paf! Aouh! Non. Allez, gars! Alors, j'ai pas envie de dire que les gens sont nuls, mais... En vrai, c'est pas tip-top, hein? Ah oui, tiens, du coup, Maryse, maintenant si tu es niveau 45, tu as accès à Oli. Et Oli, c'est ton meilleur ami en donjon. Et c'est pas une blague, hein, quand le tank pull. Il pull, quand il pull les mobs en fait. L'idée c'est tu quand il, le tank s'arrête, tu lui mets une régène. Et ensuite tu balances 4-5 4-5 alors c'est Oli, je sais pas c'est. Attends, comment il s'appelle? C'est Sacré je crois en français. Mais non, mais on s'en fout de ça. Attends, non, c'est Miracle. Tu lui balances 4-5 miracles. Tu balances 4-5 miracles dans le tas de mobs. Et ça fait vraiment le taf. Alors là. Ok. Putain, comment il se la pète dedans? Ah! Normalement, Miracle, tu devrais l'avoir. Tu devrais l'avoir dans une quête de classe. Parce que garanti, le sort il est niveau 45, donc il faut peut-être le débloquer dans. Je crois que tu débloques dans une quête, mais Ah ouais, et là en plus, là ça va encore être, là ça va être en plus encore un peu plus galère dans les, comment dire, dans les jours qui viennent parce que l'extension va sortir officiellement demain. Donc à mon avis, demain ça va être le, demain ça va être la grosse angoisse. Non? Problème, problème. J'adore la musique de Donjon. Ah, j'aime pas ce boss.
boss là, je suis pas fan. Il est un peu chiant. Bah dans le sens chiant, il est pas intéressant. Ah oui, mais mon pote, tu mets le lien sur... Ah mais attends, tu me mets le lien sur moi, c'est-à-dire que je dois te coller le cul? Ah, t'es chiant. Ouh, c'est pas passé loin. Ok, j'ai plus l'œil de... Quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu le machiniste? Ah, j'ai rien pour le soigner instant. Ok. Ok, je suis un gros naze. Là, je crois qu'il va recracher, ça va pas être bien. Non, ok, il ne crache pas. Ok. Voilà, alors ça, ce truc là en bleu, je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être esquiver les dégâts de ça. En vrai, ça se trouve, c'est ça, mais j'en ai aucune idée. Donc, whatever. Non, là. Ne me collez pas. Ok, tout devrait bien se passer. Ok, la suite du combat devrait plutôt bien se passer. Oh oh! Toujours pas mes loot, hein. Ce n'est pas les loot dont j'ai besoin. Ah, c'est vrai que alors ça c'est un truc qui m'emmerde un peu, c'est que je n'ai pas accès à mon interface de compagnie libre en donjon. Quoi? Ah, il continue de courir le tank. Merde, alors que j'ai posé mais... Savage Aim, c'est quoi ça? Critical? Yes! Ah, arrêtez ça. Donc là, alors c'est à dire qu'après, là, je vais pouvoir... Alors non, clairement, non pas après ce donjon, je pense pas. Alors, FF14, c'est pas pour les épileptiques comme jeu, par contre, hein. Les effets, c'est over the top sur les casters. C'est assez dingue, hein. C'est assez fou, les... Il y a des moments dans les groupes à 8...
Le groupe à but, il y a des moments où je comprends plus grand chose à ce qui se passe. Avec la multitude d'effets. Oui, alors. Le tank a rejoué au héros, ce qui m'arrange pas trop. Nous sommes le guerrier des ténèbres. Ah 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 ah. Ok, he's good. Ah, nous sommes arrivés à la dernière salle avec le boss. Et après on ira aller, après on ira faire le troisième donjon. Après on ira faire le troisième donjon qui est en fait le premier des trois. Qui est le donjon de fin de Main Story Quest. Alors il y aura un peu de spoiler dedans. Hein. Ça c'est deux donjons assez indépendants du coup, ça va, c'est pas trop grave. Mais là le prochain qu'on ira faire, ça va spoil, on va pas se mentir. Je peux pas trop faire autrement. Quoique, je ferais bien peut-être une roulette trial avant de lancer le troisième nom. Oh oh! Non! Il a pris une... Oh fuck, j'aurais dû prendre la boule, je voulais la laisser au DPS. Mais il ne l'a pas ramassé. Ouais, le truc c'est que maintenant il déconne zéro le... Wow, bonjour. Ce boss c'est un peu un gros sac à PV en fait. Par contre la musique, qui est la musique de fin des boss de fin de donjon. Ok, il va les ramasser, mais il se prend les dégâts derrière. Bonjour, je suis un dragon, je jump. Thunderstorm, est-ce qu'on survit? On survit, yes. Okay, on va faire un petit midi cadeau. Quoi? Tricherie! J'avais Swiftcast. Pas Swiftcast, Surcast.
Quoi, je peux plus transporter des rings? Shit. Bon, on verra ça plus tard. Ah oui, alors par contre, les gars, pas d'AO, s'il te plaît, pas d'AO. Hein. Wouh! Papa, papa, là. Et le loot est une ceinture. Ah oui, on va quand même donner une player commandation au tank. Ça passe, ça passe. J'ai combien de tokens? 270. Il me faut combien? Il me faut 410. Aïe, 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 aïe. On n'y est pas encore, les filles. Hein. Ça... clear selection, s'il te plaît. On va aller tech pour la roulette trial. Et la roulette raid normale. Hein, c'est 60 et à chaque fois c'est juste un boss. Donc ça va, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Raid normal en plus, ça va très certainement être du raid sur Omega. Donc Omega, ça va quoi. Ah. Non. Non. Ouais. Non, passe donjon de ces morts. Enfin, ce donjon, ce boss, j'aime pas. En plus, je suis niveau 50, donc je n'ai pas accès à mes sorts cool. Je crois que c'est le pire, me dit dans l'histoire. Ça commence avec le. Bon, après le. Donc, définitivement, l'invocateur, c'est la première fois qu'il est là. On a quoi? On a un samouraï, un barde, un dancer, deux paladins, deux mages blancs. Et ça donne des poétiques en plus en tombstone, le bonus. Les poétiques, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, alors oui, c'est vrai que je suis leader, moi, dans cette histoire. Faudrait que je n'oublie pas trop, ça.
Enfin, je suis un healer qui doit heal surtout, là, actuellement. Parce que je n'ai pas d'instant complètement craqué. Pour contrer un petit peu les problèmes qu'il pourrait y avoir. Ok, c'est bon, on ne va pas wipe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Param, 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 param. Sérieusement. Alors, fait intéressant, en extrême, il me semble qu'il n'y a pas des... Au revoir le bard. Pam, 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 pam. 75 poétiques, 60 goétiennes. Bah ma foi, c'est ce qu'on est venu chercher. Bon, il est parti chercher les player commendation sur un des tanks. Non, tant pis sur le samouraï. Il faut soutenir, il faut donner des... il faut bien penser toujours à donner ces petites commendations, très important. Ok. Eh bien, la dernière roulette intéressante qu'il nous reste à faire. Alors, ah non, 120 goétiennes sur celle-là aussi. Ah. Alors, on va pas, on va la faire, mais après, on va d'abord faire celle-là, la roulette de raid. Parce que les raids, ça va fatalement plus vite. Enfin, ça va plus vite. Ça dépend du boss. Genre là, si je tombe sur Kefka, je tire un peu la gueule. On va pas se mentir. Vroom vroom, dit la moto. Non. Ah non. Ah non, pas Exdeath. Pas Exdeath, j'aime pas Exdeath. Parfait Exdeath avec un mec qui l'a jamais fait. Moi je dis qu'est-ce qui peut mal se passer.
Mais bon, après, c'est un petit peu le risque du métier, voilà. Là, l'objectif, en fait, là, l'objectif, c'est que je sois 440 au 10 level au plus vite. Doom? Comment ça, Doom? Fire 3. Voilà, Thunder, ne pas rester en mêlée. Putain, pas comme à peu près la moitié du raid. Ah, Blizzard 3, je crois qu'il faut bouger. Non, il faut bouger quand il y a le sort. Météore, alors je ne sais plus c'est quoi Météore. Ah d'accord, c'est juste une AOE qui fait super mal. Bah ma foi. Les Black Hole. Ok, la replay de trou noir. Météore, ok, tranquille. Météore, il est plus impressionnant qu'autre chose en fait. Thunder, il faut s'éloigner.3, 2, 1. Ah non putain, je vais avoir mal. Je pensais que c'est moi qui l'avais le. Ok, météore, pas besoin de s'inquiéter. Thunder 3, dans le doute, je vais m'éloigner, même si. Ah non, mais Thunder 3, c'est le buster en fait. Nope. Bon alors les loot évidemment. Ah oui alors le Wind Up Exdeath ça je le veux. Ah non je l'ai déjà. Donc tous merliers évidemment voilà. On va donner une commandation à l'autre heal qui n'a pas trop fait de la merde. Tranquille quoi. Point 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 point.
Eh ben ma foi, du coup ça nous met à combien de monnaie? 390, il me faut 410, non! C'est pas grave, c'est pas grave. Clear Selection. Alors le raid en alliance, on le fera pas parce que c'est des raids trop longs et trop chiants. Et main scénario, pareil, c'est trop long et trop chiant. Parce que c'est des parties de 8 et les deux seuls auxquels j'ai accès, c'est des donjons qui sont pas bien. Du coup, on va aller faire Amoroth. Voilà, Amoroth avec une petite reward à 80 tombstones. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre du tout. Donc ça c'est le alors ça c'est le dernier donjon de l'épopée. En tout cas à la date d'aujourd'hui, hein, à la date de la 5.0. Et donc c'est une ville. Voilà, c'est. Ah, le temps qu'on décide de prendre deux packs. Oui, non, non, j'ai pas envie que tu prennes deux packs, monsieur Tank. Mais c'est cool, on va pouvoir se. On va bientôt pouvoir se prendre une nouvelle pièce de stuff. Yes, yes! Ah oui, c'est vrai que ça, il faut bien les focus. Voilà. Petit curieux, ça passe. Ça passe, ça passe. Boum. Big hole. Non, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes. Ok. Hop, on va claquer les ailes. Yes. Alors le rose, il m'emmerde pas mal parce qu'il bloque le heal. Et moi, je suis healer. Donc je suis pas content quand on m'empêche de soigner.
Ah. Oh. Non, il le prend pas. Ah, ça va. Mais t'es en reine, c'est là-haut, ça. Ah non, c'est pire. Je suis mort. Je ne suis pas mort. Et dis-moi que là, je suis derrière. Trop tard. Oh, ça marche. What, mate? Please stop. Ok, petit AO autour de lui, tranquille. J'ai quoi? J'ai deux Lilies. Oh non! Voilà, un premier boss ici qui est quand même assez funky, on va pas se mentir. On a tous pris un stack de vulnérabilité par contre. Hein. Ça, c'est pas cool. Remarque, il devrait pas avoir le temps de refaire une phase ultra relou. Hop, j'ai juste claqué un E7 pour faire un petit peu de DPS. Die, monster. Alors, toujours pas ce qu'il me faut. Et ouais, et là c'est le truc en fait, là il me dans l'idéal. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup me procurer le plus rapidement possible. Le stuff en fait, le stuff nécessaire. Parce que j'aimerais bien en fait demain pouvoir essayer de tomber les primos enfin les primos, les trials. Parce que ce ne sont pas des primordiaux cette fois-ci. Nous sommes sur un autre monde, ce sont Alors, en anglais c'est Light Wardens. Alors en français, je sais pas, les gardiens de la lumière, les gardiens lumineux, je sais pas quel nom ils leur ont donné. Ah mais mon tank est en train de mourir là aussi. Oupsie. Non, s'il te plaît monsieur, tu meurs. The city's burning.
Cuit ton matériel. Ah Ok, il court plus loin. Ok, il court jusqu'à l'autre bout. 4, 3, 2. Comme ça. Ok. Et il vit. Et ça, c'est beau. Fending. Bah, bof, hein, en vrai. On va commencer en. Ah je suis à combien? Je suis à 1-1 au niveau de millilise. Non, les gars. Oh, come on. Ah, oh, c'est démoralisant. Ah, c'est dégueulasse. Bon, est-ce que j'ai le temps de caster un res là? 2, 1, ok. Fuck. Bon, là il faut bourrer les dégâts, il fait rien d'autre il me semble. Allez, meurs. Le choker, je l'ai déjà, yes.
Ah! Ah, tiens. Wow. Oh, j'ai eu un lag. Oh oh. Je me suis soigné moi comme un connard. J'ai donc fait ça. Toujours pas de loot que j'ai besoin. Ouais. Ouais, sur les donjons là en fait ne loot que les accessoires. Et il m'en fallait deux et on en a fait, on aura fait les trois donjons et aussi incroyable que cela puisse paraître.
Eh bien, j'ai rien looté. Il est tombé ce con. Direction le laser. Ouais, je suis un peu concentré là sur le fight parce que c'est il est assez intense. Du coup, je ne dis pas beaucoup de conneries. Ok, ça va, il est pas tombé. Wouh! Ok.
80 Tombstone, 82 Goetian Tombstone, oui, je prends. Et toujours pas le loot dont j'ai besoin. Alors maintenant, du coup, la question, ça va être de savoir, est-ce que je vais choper, je vais les choper dans les donjons avant, avant les, avant d'avoir ceux des Tombstone. En sachant quand même que les Tombstone, c'est ce que je vais, les accessoires Tombstone, c'est ce que je vais choper en dernier. Par contre, j'ai 510, ça veut dire que je peux me procurer cette petite Ronkan Robe of Healings. Yes, please. Alors, je dois récupérer les matérias. 80%. Ok. Bon voilà, c'est... on peut même pas, ah, si on peut l'éteindre. Nice, on peut l'éteindre. Par contre, c'est la 9. Hop, on va remettre le glamour. Materia Melder, s'il te plaît. Materia Melding. Équipé, voilà. Et voilà. Eh bien, ma foi, je suppose que si je fais le trial, j'ai pas... Si, j'en ai 10, mais c'est pas intéressant, 10. Du coup, là, maintenant, le plus intéressant, ce serait, en vrai, la roulette ici. Ah, j'ai... j'ai du stuff animé. Oh, je suis 430. Après ça, on va essayer d'aller tester Titania en Savage, peut-être. Ah, 430. Même si 430, c'est un peu limite. Hein. Ah, mais il pull un troisième pack. D'accord. J'ai pris la OE comme un... Ah putain, c'est la OE de ses morts. Shit, shit. En vrai, c'est très irresponsable, je pense, d'y aller avec juste 430 en e-level sur Titania en extrême 1. D'un autre côté... D'un autre côté, il va bien falloir que j'apprenne le fight, hein.
à un moment ou à un autre. Oh oh! Non, arrête! S'il te plaît. Nos amis, les morbolles. Qu'est-ce que je n'ai pas... Ah, je n'ai pas de Divine Benison. Quoi? Ok. Tranquille donc. Aïe, poule. J'aime. En fait, j'aime pas parce que les problèmes, c'est que les tanks sont même pas réguliers entre eux, à savoir. Pour savoir combien de packs ils prennent en fait. Je sais jamais, c'est... Oh, oui, non, j'ai pas Divine Benison. Bon, tu sais quoi, voilà, ça. Boum. Il fait chaud dans ce pays, il fait chaud. Bah ça se passe plutôt tranquillement. C'est un donjon niveau 60 après rien. Ah oui non mais j'ai des Yuna à caster quand même ici.
Un truc que je regrette très légèrement. Mais vraiment, c'est super léger. Y a pas à chier, c'est. Comment dire? Comment expliquer ça? Promis, je vais retrouver les mots. C'est que contrairement à WoW, il n'y a pas les donjons, vous savez, héroïques. Parce que j'aime beaucoup, il y a des donjons, j'aimerais beaucoup les refaire. Mais il n'y a aucun intérêt à le faire. Oh. Ceci est un tankbuster. Après, parfois, il y a les versions hard de certains donjons qui font leur apparition. Mais par contre, c'est des versions où on reprend plus le thème du donjon que le donjon lui-même. Par exemple, l'Arboretum, en fait, la version hard, c'est une version toute dégueulasse. Alors, on garde le thème un petit peu plante, morbole et tous les trucs dégueux. Mais c'est pas les mêmes ennemis, c'est pas les mêmes boss. C'est pas les mêmes mécaniques non plus. Mais pour le coup, c'est vrai que bon, du coup, ils te reprennent un petit peu la thématique du donjon et ils refont du contenu avec sans qu'on se. Wow! C'est un peu plus comme les versions héroïques des vieux donjons de Warcraft. Sur WoW, où ils te font des versions hero où en fait, c'est des versions. C'est juste le même endroit en fait. Parfois la même map et à part ça, le reste. Y a plus rien de similaire quoi. Est-ce que vous vous souvenez des mortes mines? Les fameuses mortes mines en héroïque avec la phase Mario Danmaku shooter des angoisses absolues. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah. Ah oh, ça brûle. Oui, monsieur le temps. Non, s'il te plaît, ne reste pas dans cette tower. C'est l'heure de faire très trop mal. Ah bah oui mais Pop. Oui, ok.
Oh, petit, oula, petit coup de fatigue. Le petit coup de barre de 22h25. Le fameux. Je me suis en plus de ce boss, ça va être génial. Spoiler, ça va pas être bien. Papa. Papa, 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 papa. Ah, sous le vacuum, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ok. Les attaques de regard. Ouais, ça va, on est tranquille. Hein. Pain, 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 papa. Oh! À tous les coups, je vais regretter de m'être collé à un mec là. Easy. Point, 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 point. Voilà du stuff tout naze. Mais 125 tombstones. Waouh. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. C'est mes tombstones. Bon, bon, bon. Écoutez, on va faire un truc. Système configuration, le son, on va garder le BGM quand je suis tab out. Voilà, comme ça c'est moins gênant. Alors j'ai combien de combien? Oh, excusez-moi, ça c'est mon bras qui tape dans le. J'ai 220. 220, c'est light. C'est assez light. Alors, Duty Red Finder. Donc ça c'est voilà. High-end Duty. Voilà, on va commencer avec The Dancing Plague. Et voir comment ça se passe. Je crois qu'à côté de ça, je peux également faire. Non, c'est pas comme ça, c'est Party, c'est le Party Finder.
Donc sur le data center, bien sûr. Alors c'est High-End Duty, The Dancing Play. Alors, ils ont deux heals, ils ont deux heals, ils ont besoin d'un heal. Serious Farm, mal DPS. Putain, les mecs, ils ont déjà pas le temps. Must have un rage experience. After ads. Farm, tank, heal, nord DPS, south. Donc voilà. Donc là, déjà, l'extension, elle est pas sortie. Les mecs, ils ont pas le temps, quoi. Ah, average wait time more than 30 minutes. Ah oui, d'accord, quand même. Hein. Ah, mais ils ont déjà un healer. Ah oui, attends, je crois que dans tout gueule. Non, comme ça, je préfère. Non! Advanced search. Voilà, je veux. Voilà. Voilà, je veux. Attends, free. Comment est-ce que je regarde si jamais il y a. Et voilà, et aïe! Voilà. Et donc, bah là, on va. C'est bon, on va un peu se faire chier, on va attendre que le groupe se monte. Voilà. Comment ça se passe? Il nous manque un DPS et un heal? Ouah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Un deuxième heal, il manque un DPS. Donc là, le truc, ce qui va se passer, c'est que là, on va beaucoup mourir. Mais genre, on va mourir pas mal de fois, hein, parce que. Pas.
Alors là, le truc, c'est que idéalement, j'aimerais bien faire du local record sur les. Ah, non, ça va être chiant si je lance le local record en même temps. Ok, le groupe est complet. Ah, un truc que j'aurais pu faire, c'est prendre des. C'est de la bouffe. Enfin, je veux dire de la bouffe à jour. Ah, Backhead, ok. Ça, c'est de la bouffe qui va faire le taf avec Critique Spell Speed. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas top. Yes, ready check. Ah, on va peut-être réparer avant quand même. Le Mender est là. On va réparer. Pain, pain, pain. Pain, 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 pain. Pain, 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 pain. Pa, 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 pa. Ok, c'est parti. Clairement, le boss, on ne tombera pas. Clairement, le boss, on ne tombera pas. Hein. Là, c'est du. Là, c'est. Là, ce que je suis en train de faire, c'est le contenu le plus endgame possible actuellement. Enfin, non, pas vraiment. C'est l'autre, le plus endgame. Ça, c'est celui juste avant. Dancing played extreme. Pap 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 pap. La 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 la.
Clairement là je crois que je vais pas faire beaucoup de DPS sur le try, je vais essayer de garder je vais essayer de garder un petit peu le suspense. Ah là 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 là. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et ça poule avant le timer, parfait. Bright Sabbath, c'est quoi? C'est le Tank Buster, ça, je crois. Ce n'est pas le Tank Buster. Ah! I guess que je dois rester dans les flaques d'eau. Ouais, fire resistance up. Ah oui, non, mais... Ok. Oh, ok. Tank Hill West, DD East. La 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 la. Ok, donc La 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 la. La 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 la. C'est très très cool de découvrir des boss complètement blind. Hein. C'est vraiment super intéressant. Quatre, trois, deux, un.
Phantom Rune. Ah, s'il vous plaît, ne le prenez pas. Ok, actually, ça va. D'accord, je vois où veut, je vois ce que veut, veut dire. Wait. Ok. Des liens à péter. Phantom Rune, il faut s'éloigner. Quoi? Je vais aller avec le reste du groupe, à mon avis, c'est mieux. Oh! J'étais dans le groupe du tétard. Not good. What the? Ok, ça, c'est les tanks qui doivent l'encaisser, donc. Mais les tanks, mais genre bien solo, quoi. Ah, ok. Wouh! La 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 Space Stator on one, ok.
Ok, Tether Nord-Ouest. Pour moi. Pas la 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 la. Alors, Ok, excusez-moi parce que du coup, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais un peu noter les. Je vais un petit peu noter les mécaniques au fur et à mesure. La 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 la! Ah la 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 la! Ah non, premier c'est out. Ah non, c'est vrai, il y a ça d'abord en premier. Ok, parfait, personne se l'est pris. Mistrune. Ah oui, la Divination Rune, c'est juste un gros tank buster clivé. Ok. Phantom Rune in. Personne ne se la prend. Parfait. Ok. Ah fudge. Kill me please. Oh. Actually not enough FNT. Ok, bon. Oh, ok. Ah. Oh, what? Ok.
Est-ce que Frau Krum, c'est ce que je sais, ce que je pense que ça va être? Ok, donc c'est Flak AO stack x2. AO stack x2 de Flak Tether. Thunder, ok. Ce qui m'emmerde un peu par contre, c'est que la bouffe. Quoique le baguette méga piranha, je crois que je peux l'acheter en fait. Faudra que je check après sur les bases de données. Ouais, selling price, yes. Bon, par contre, c'est 4000 unités, donc ça va faire mal au cul. Non, il y a un dragon qui l'a pris.
Quoi, j'ai repris un debuff de vulnérabilité? Quoi? Ok, fine. Donc on disait le Thunder Tether ensuite triple tank buster ensuite Tether plus racine ok Tether plus racine et ensuite c'était quoi ah oui glace Alors, attendez, il faut que je mette les têteurs ne pas bouger avant que le lien soit fait. Ah, le dragon qui coule trop tôt.
Il y a le tank qui se l'est pris. Fuck, putain, un tank qui est un ninja. Fudge. Ok, en effet, beaucoup mieux. Ok, là c'est les Thunder Taylor. Quoi? Ils ont pété à côté de moi? Ok, on a un problème, Houston. Ouais, évidemment. Non, mais... Ok, non, mais... Mais non, si je le prends, je meurs! Yeah, ok. Ah, shit. Wouh! Ok, ah là 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 là. Ouais. Bon, écoutez, je reviens dans 30 petites secondes, ils vont faire une petite pause. Moi je vais en profiter pour aller aux toilettes. À tout de suite.
Ah, on va dire bonjour au copain Lone. Yo, Lone. Yo. Ah, comment vas-tu? Bah ça va. Ah. Je suis passé 40, ça va être difficile de faire des donjons en dessous du niveau 40. Sous peine de devoir désapprendre la classe. Puis tu vas tomber sur Sasha dans la roulette et puis ça va être la merde quoi. Enfin, je suis passé 41 même, mais en fait, ouais, depuis que j'ai tous mes switches de stance, j'ai plus envie de passer par transpose. Tu m'étonnes. Moi, je suis en train de faire le premier fight en extrême. C'est pas bien. Putain, en plus, la musique commence à me taper sur le système. Elle est bien, mais là, ça va faire une demi-heure que j'ai non-stop dans la tête. Non, ne poule pas le temps que j'ai pas fini de prendre ma clope. Please. Ok, c'est y part. Puis alors vraiment, ouais, quand j'ai plus de MP, je passe en stance de glace, je balance un sort et je repasse en stance de feu instant parce que ça régène tellement vite. Propre. Est-ce que Medica 2 marcherait pas bien ici? Oh, ça change que dalle. Et je viens de percuter que j'avais un passif qui réduisait de moitié mes sorts de l'élément opposé à ma stance. Enfin, qu'est-ce qu'il a foutu le tank? Ok. Ok, tout va bien, on est sauvé. Ah, il a une vulnérabilité. Hein. Attends, donc en fait, techniquement, je peux brutaliser mon DPS en changeant de stance sans arrêt? The fuck? Oh là. Ça sent la possibilité de baiser le système, là? Au moins à ce niveau. Bonjour, est-ce que tu aurais un petit peu de temps pour parler des explosions? Ah non, il y a le GCD. Ah bah quand même, hein. Ah, mais c'est que ça a l'air de bien marcher. Ouais, du coup, je peux pas. Fantôme rune, bébé. Ok. Ok, le 1. Le problème, c'est que le 3 l'a pris aussi. Donc, ça va faire mal. Le 3 va mourir. Ok. Et je suis mort, c'est pas bien. Mourir, c'est pas bien, je le recommande pas. Non, ça marche pas. Tu peux pas faire ce que tu veux quand t'es mort. Mais en fait, moi j'étais pas mort. Je dois aller au nord. Bah, faut savoir, t'es mort ou t'es pas mort? Je suis pas mort là.
Oh ben j'ai été raid, je crois. Ah bordel, je vais mourir. Ouais. Bon, j'ai pas envie de le faire ce duty là. Mais pourtant faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Papa. Onzième en ligne d'attente, ils veulent pas nous grouper là pour que ça soit plus facile? Ah oui, vroom vroom, c'est la voiture. La 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 la. Ah, juste, putain, à la fin du bordel, on me tire une balle, je pense. Sérieux, je suis un duty de quête principale et il y a une file d'attente. What the fuck? Attends. Ah oui, mais attends. T'es niveau combien? En wheel? Non, 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 mais en duty de quête principale. Ah oui, 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 non, c'est parce que. Un truc que je dois faire tout seul et là j'ai une file d'attente, je fais quoi? Oui, ah oui, oui, c'est un truc qu'ils ont instauré pour. Parce que justement. Comment dire? Justement, en fait, parce que. Sur Stormblood. Enfin, les gens, ils cliquaient et le serveur il suivait pas et ça foutait la merde. Du coup, maintenant ils ont, enfin là, ils ont mis une file d'attente. Plus c'est un truc à la con là, c'est le prêtre, non, le faux inquisiteur là. Ah oui. Je l'ai tenté plusieurs fois tout à l'heure, il est super dur en plus ce truc. Pense bien, regardez si tu es un peu à jour au niveau de ton stuff. Ah, c'est ça qui fait la différence? Le stuff fait une différence, ouais. Est-ce que j'ai le droit de regarder mon stuff? Non, pas pendant que je suis dans un fil d'attente. Bah, non, a priori j'ai changé mon arme il y a pas longtemps donc. Non mais pas que l'arme, l'armure. Bah le reste après c'est j'ai du spell speed partout et pas mal d'intel donc. C'est pas ce que je pourrais avoir de mieux mais. Je veux pas perdre le spell speed, pas contre un truc que je vais tanker. Ouais mais en fait le problème tu vois c'est que surtout ce qui est important. C'est de voir la protection. Ça t'apporte les points de protection. Genre, si une armure a plus de protection que ce que tu as actuellement, bah, ne cherche pas trop, tu la prends. Pas une armure de ta classe, hein, avec une armure de caster, mais s'il y a plus de protection, oui, il vaut mieux la prendre. Ça dépend, hein. Ça dépend parce que si je prends plus de coups parce que je suis toujours en train de caster au lieu de courir. Là c'est vraiment je le descends à un tiers de vie. Mm-hmm. Et au bout d'un tiers de vie, je passe à la seconde phase où il se transforme en dragon. Sauf que le dragon est full HP, le dragon il tape fort et le dragon il a beaucoup de PV. Et c'est moi qui le tank parce que je prends l'aggro. Attends, il y a sur des trucs. NPC, évidemment. Ah oui, non, mais il faut pas prendre l'aggro sur les NPC. J'ai pas le choix, hein, faut que je le tue. Et vu que les NPC, bon bah. Comment ça parle mal des NPC? Waouh! Ah oui, bon bah s'ils avaient une stance de menace aussi. Mais non. Encore que c'est discutable, si ça se trouve, tous les corps à corps c'est des DPS.
en a un qui l'a pris. Putain, toujours le même. Hein. C'est assez relou. Une... Jean-Michel, ouais, c'est ça, c'est que des gens qui sont de mon niveau. What the fuck, pourquoi il y a autant de monde ici? Ah! Ah, hop, let's quit today. Ok, ce tank buster fait trop mal. Ah, puis évidemment il y a des ads aussi dans ce truc. Ce qui prend la cutscene. Ok, 1. 2. Trois. Quatre. Cinq. Six. Wouhou ! On a fait la mécanique. Oh putain, fais light, ça va faire mal. J'ai plus de mana. C'est des choses qui arrivent quand on ne fait pas gaffe. Quelle connerie, il dépop pas! Hâte de merde! Allez les NPC là, bossez un peu! Ok, comment ça se passe? What? Ah putain, mais il me reach de perpète en plus. Les amis de la forêt. Oh, ok. Ah mais non, mais le problème c'est... Oui c'est ça, le problème c'est que ce con de NPC il meurt et il faut pas qu'il meure. Ah. Attends, faut pas qu'il meure ou... Comment le truc est pas fail encore? Ok, ça fait mal. Allez là, putain. Pas de l'hélice de hop. Ceci est un problème.
Bigger is better. Non, je suis pas d'accord. Jamais de la vie. Catalyse. Non. Ouais, c'est ça, quand les deux NPC meurent, le duty fail et le boss a encore un tiers de PV, c'est débile. Elle est niveau combien ton arme? L'arme est niveau 36. Et tes niveaux? 41. Tu devrais changer d'arme. Bah ouais, mais j'ai pas mieux pour l'instant. Chez les PNJ, ils vendent pas mieux? Je suis pas allé voir. Ah, Gridania. À Gridania en particulier? Non mais c'est juste... Ah ou Limsalominsa, ce que je sais c'est dans la, tu sais, dans la rue là où il y a le market board. Tu regardes tous les PNJ et il y a des PNJ qui vendent des armes. Nickel par contre. Les dommages magiques, on est d'accord, c'est pas l'auto-attaque, hein. Ah oui, non, il y a l'auto-attaque à côté. Ouais, non, les dégâts de l'arme, si, les dégâts de l'arme, si c'est mieux, prends. Et regarde aussi, du coup, ouais. le niveau de ton stuff, le niveau de tes items. Et regarde les autres PNJ si tu peux pas acheter le nécessaire. Putain, je sens que je vais me ruiner là-dessus. Je vais être obligé de faire des donjons. Oui, Div Curran Duty. Ah, ça me fait chier. Après, si quand t'es trop haut niveau, le duty te sync à, ah, oui. À un niveau en dessous, est-ce que c'est le niveau auquel tu dois faire le duty pour être tranquille? Ça te. Alors, parce que là, c'est... il propose un sync à 44 si je suis au-dessus de 44. Mais ça du veut... coup, si la quête c'est 44, alors je suis pas assez au niveau en fait. C'est une main story quest. Ouais. T'as le niveau. Si tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas accepter la quête. Clairement. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'elles sont en rouge. Voilà, non, tu as le niveau. Après, t'as peut-être pas le stuff quoi. C'est. Ah putain, un stuff check là-dessus. Bah, oh, c'est-à-dire que si tu te balades avec du stuff encore niveau 15, bah, parce que tu l'as pas changé pour x ou y raison, Ouais, non, là j'ai quoi? J'ai 34, 26, 35, 34, 31, 36, 36. Ouais. Là, le seul truc, c'est les bijoux, quoi, mais les bijoux... Ah, putain, non, même pas les bijoux. Ouais, si, j'ai un... Mes brassards qui sont 18. Et sinon, c'est tout... 29 plus. Je vais voir ce que je peux acheter comme arme. 3, 2, 1. Ah, je fais pas les choses bien. Ça me fait chier de devoir acheter du stuff. Le stuff blanc du PNJ. T'as combien de thunes là? Là j'ai 170 000. C'est les pièces de stuff, elles vont te coûter 2000 gros max. Hein. Actuellement, si les gens pouvaient arrêter de faire cette mécanique gratos, ça m'arrangerait. Peu de jeu, à côté du market board, donc par là-bas. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Inconceive Venture. Ah oui, non, ça c'est l'aventure. Alors,
Non, je me suis gouré. Ouh, je me suis gouré, c'est pas bien. Quoi? Comment ça, pas d'armes? Pas d'armes. Non, non, alors oui, alors c'est le même. C'est. Le PNJ qui vend les armes et le PNJ qui vend le stuff n'est pas le même. Putain, je suis aux armures. Bordel! Du coup, la rue plus loin, je pense. Plus loin, mais de l'autre côté du coup. Parce qu'en plus, je sais que je vais les rechanger assez rapidement au final. Non, non, pas 30, 39 l'arme. Ah, putain, les cons. 40, 49. Past. Quatre de dommages magiques, en plus, c'est significatif. C'est... Oui, c'est significatif. Ah ouais, à ce point-là? Ah, oui, 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 oui. Allez hop, va pour 5000. Mais genre, fin C4, tu passes de combien, tu passerais de combien à combien? De 36 à 40. Oui. Ah, le mana, c'est une chose incroyable. Ok, gros rune au centre. Oh oh. Après, je peux éventuellement me faire un petit tour de. Ouais, mais non, les bijoux à acheter, c'est de la merde. Et le reste du stuff, ça va. Non, c'est juste le NPC, il pouvait tanker au lieu de crever comme une merde. Ah, la frostwind. Putain, la frostwind, je déteste ce pattern. Du coup, Quertas. Ok, je suis un gros sac, en plus de ça. Putain, je suis super sceptique sur la... sur le gain que je vais avoir en dégâts. C'est Ok, filer les formules. Action skills. C'est pas ça que je veux, si. Magic power. Ah putain, je suis un gros sac. Of your job. Oui, ça doit être ça. Donc AMP, je cherche. Hein? Ah non, c'est deux stats différentes. What? Pour l'influence de WD. Ah, pas de damage.
prends pas tout à cette phase Z. C'est problématique. Genre très problématique. Parce que si je meurs, les autres meurent aussi, parce que je peux pas les soigner. Obviously. Ah, le groupe disbande, même à foi. Remarque, c'est pas mal, comme ça je vais pouvoir aller manger. Bon, bah du coup, voilà, le groupe a disbande. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que j'ai pas... Là, en 20 minutes, je peux pas faire grand-chose. Voilà, on quitte le groupe. Je vais pas couper le jeu parce que sinon je vais avoir le droit à une file de c'est mort. Mais voilà, on va couper le live pour, ici pour ce soir. C'est bien fun. La semaine prochaine, bah, ce sera pareil. Ce sera peut-être plutôt du. Par contre, uniquement du boss. Du learning. Ou du farm, on ne sait jamais. Si jamais j'ai l'occasion. Donc bonne soirée à vous, je vous envoie chez Kaoricat, voilà, paf, raid. Et je vous fais des bisous, ciao ciao.